Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé construire le village olympique à Montmartre. Il va y avoir du sport. Bonjour, nous sommes en fait du comité international olympique et vous savez que la mairie a pour projet de transformer tout Montmartre en un village planétaire. Il y aura donc un village russe, un village espagnol, américain, polynésien, vous voyez. Et la place du théâtre va être transformée, vous voyez, en village africain. Ah, on n'est pas d'accord pour ça. Ils peuvent le mettre devant l'église s'ils veulent, mais pas ici. Hors question. Nous avons la lettre de la mairie de Paris signée Monsieur Delannoy. Il a dû fumer ces jours-là. Il est précisé que toute personne travaillant en place du théâtre était d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Il est prévu que, d'après ce que nous a dit la mairie, que vous soyez habillé en boubou. En plus, on va rigoler ou quoi? Moi, je m'en fous des Jeux Olympiques. Tout ce que je vous dis, que je ne vais pas m'habiller en boubou et je ne vais pas de village africain ici. Et quoi encore? Montmartre va devenir un village planétaire, avec plusieurs continents représentés, plusieurs pays. Et donc, vous allez faire partie du village russe. Oui, russe. Il va falloir donc changer la devanture et faire de la cuisine russe. Et je vais te sommer ici en restant russe. Oui, russe. Ah, c'est impossible pour moi. Déjà du mal à apprendre le français, maintenant il faut que j'apprenne le russe aussi. Et comme vous êtes au numéro 23 de cette rue, vous allez donc faire partie du village mexicain. C'est-à-dire que vous allez devoir vendre des produits mexicains. Ah non, je peux pas. Ah bah si. Il va falloir vendre des tapas, vous voyez. Et puis surtout être habillé en. En local. Non, merci. Mais je vais vendre des produits d'auvergne, je peux pas vendre des produits mexicains. Les gens, ils vont me dire, mais attendez, ça va plus, là. Il y aura à côté le village japonais. Bah, attendez, ça tourne à la connerie, vos trucs, là. Vous en faites un peu de trop, hein. Vous habitez ici, madame? Oui, j'habite rue Lamarck, monsieur. D'accord. Bah, alors, toute la rue Lamarck va devenir un village américain. Quelle horreur! Comment on va devenir un village américain? C'est-à-dire que tous les commerçants de la rue Lamarck vont être américains. Je trouve ça scandaleux, un point final! Attendez, si vous voulez les Jeux Olympiques à Paris... Mais non, je les veux pas! Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on ait les Jeux Olympiques à Paris en transformant notre village en village américain? Écoutez, c'est scandaleux! Bon, moi, je déménage, hein.